l'énergie. C'est David Ridla avec nous dans l'émission. Bah oui, yes. Ça va et toi, mon Ridla? Ah ben ça va, on est là. Nous l'éveillons, comme on dit. Il y avait. J'écoutais la radio pour savoir s'il y avait un point. Le point place de parking. Ah non, non, c'est parce vrai. Que. Ah ouais, vous garez là, frère. On a oublié celui-là. Ah oui, c'est vrai, ouais. Surtout dans le coin d'énergie, oui, c'est compliqué. D'ailleurs, on salue Morgane hein, qui s'est levé aussi tôt. Salut pour, Morgane, pour ça va toi? Là, je rends espace. Bisous à Morgane. Ça va? J'y sais. Morgane est sans sur le dos. Comment? Non, je suis pas sur le dos, t'inquiète pas. On est là tranquillement, on fait le taf. Ouais. Sinon, ça se passe bien pour vous? Bah ouais, tranquillement, Ridla. Et toi, le carnaval, ça se profile comment? Ah ben. Tranquillement, j'ai sorti deux singles, dont un qui n'était pas prévu, le Alerte Vidée, là, avec DJ Blue. Mm-hmm. Et mon deuxième single, mais sinon, à part ça, le carnaval, c'est la Team Siromas, c'est aller à quelques prestes avec la Team Siromas, c'est aussi profiter de la belle culture qu'on a. Alors justement, à propos de la Team Siromas, Mimi avait une question. Comment on fait pour entrer dans la team? Il faut passer des étapes ou... Non? Bon, en fait, je vous explique ce qu'est la religion de la Team Siro. Musique, s'il vous plaît, jingle. Il n'y a pas de jingle ici? Il n'y a pas de budget? Eh ben... Non, tu me mets une petite musique zen. Ah, tu veux une musique zen? Zen. Demande, tu auras. Non, y a pas de, déjà, il n'y a pas de petit déjeuner, les gars. Ça fait musique triste. Hein. Oui, c'est vrai. T'inquiète pas, on va s'arranger. Ok, allez, vas-y. Mesdames et messieurs. Ah, voilà. Chers compatriotes, pour pouvoir intégrer la Team Siro. La Team Siro, tout d'abord, ce sont des travailleurs qui travaillent vraiment dur, mais qui profitent le week-end pour se détendre car la vie elle est courte. Mais on se détend toujours avec modération. Il faut avoir l'esprit, il faut avoir le t-shirt. La Team Siromas, ah ben bien sûr, c'est Team Siromas, il y a les Picasso Party. Les Picasso Party, c'est comme les fêtes où on s'envoie de la peinture. Il y a également la section... Team Siromas avec les groupes à peau. Il y a vraiment la Team Siro Siro où on se regroupe autour d'une piscine dans la capitale du monde qui est Mornalo. Et bien sûr, on vit. Donc pour intégrer la Team Siromas, vie mon frère, vie. Alléluia. Alléluia. Le père Ridla est avec nous ce matin sur Énergie Antilles. Vous avez des questions à poser à Ridla, ça se passe au 0825. Ah, il n'y en a pas, j'ai entendu une dame dire qu'elle n'aime pas Ridla, tu vas pas me faire honte aujourd'hui, frère. Hein. Oui, j'ai entendu la dame. Mais non, tout le monde te kiffe, Ridla. Mais dans le ni oui ni non, oh mais je pense qu'elle savait pas quoi répondre, tu sais. Hein? Ah, je suis même pas alors, dans la panique, dans la panique. Ouais, mais tu sais, le ni oui ni non. Il m'a dit, j'aime pas. Voilà, c'est ça, ouais. Je vais tellement pas dire ni oui ni non. Bon, ne bouge pas, Ridla. Dans quelques instants, je vais te présenter Mamie Simone, je crois que tu la connais. Kimoun? Mamie Simone. Ouais, ben je vais la connaître. Pourquoi? Elle danse le boléro, elle danse le tango. Elle essaye de chanter, elle essaye. Hein. Elle va danser sexy pour toi. Non, monsieur. Mamie Simone, dites bonjour à Ridla. Oui, écoutez, il ne veut pas danser avec moi, je vais pas lui dire bonjour. Il est déjà mal poli. C'est la famille, vous ne lui parlez mamie, pas comme ça. Mamie, faut diminuer sur le café. Hein. Malheureusement. Je n'en prends 4 par jour. Combien? Pas plus. Mamie, il fait du yoga, mets la chaîne 73 sur le sur canal, ça te fait un truc. ZTV. Prenez 8 cafés par jour, Mamie Simone, pour les risques cardiaques, c'est mieux. C'est dégueulasse. Ah, merci beaucoup, Jimmy. Imaginez si t'as bon feu. Nobody. Bon, ouais. ne bouge pas, Ridla. Mamie Simone va essayer de te chanter des titres énergie et tu dois retrouver ce qu'elle chante. Les gars, non, on joue pas comme ça. Et moi, je gagne quoi? Alors, tout on va te gérer un pack énergie. On va gagner, rien. Tu gagnes toute notre reconnaissance. Une nuit avec moi. Combien? Quoi? Une nuit. Non, madame, je ne fais pas dans ça. Je suis en religion. C'est mes opédies. Non, voilà, voilà. Oh là 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 là. Le 6-10. L'émission qui réveille les Antilles. Ridla est notre invité ce matin, 8h51 sur Énergie. Mon Ridla, tiens, on a plein de questions qui arrivent pour toi. Les gars, avant. Une question. Le Dadju, il n'y a pas une version Zouk? Oui, on aime bien la version normale là, mais Bitaka, Laura, son type d'Akaï, parti en Zouk. Et quand il serre la petite frère, mais il n'y a rien. Tu as entendu ça où? Quoi? La version Zouk? Ben, Énergie peut créer la version Zouk, frère. Le remix Zouk. Ah, avec Ridla. C'est de bonnes idées tout ça. Morgane elle intervient un peu, mais quand elle intervient c'est efficace. Aïe aïe aïe. Ah non, c'est une bonne idée.
en plus, il va venir bientôt Dadju en showcase en Guada, donc. Ouais. Le dos, ça ride là. Ah, t'inquiète pas, je vais gratter fort. Moi, je fais la danseuse. La groupie de base. D'accord. La danseuse. Avec moi toute seule, ça fait une chorégraphie. Ride là, il y a Kevin qui veut te poser une question qui est là. Salut Kevin. Salut tout le monde. Mamie Simone, vous bougez pas, on fait votre jeu après 9h, d'accord? Salut Kevin. Oui, bien sûr. Mamie, ne salut, bougez pas. Yeah. Salut Kevin, bienvenue. L'équipe, Bridla, tout le monde. Ouais, je te présente. Comment vous avez la pêche là ce matin? Ah ouais, bah toujours Kevin, tu connais. Frérot, t'as une question à Bridla? Oui. Alors dis-moi Bridla, dis-moi. Quel est ta recette pour faire des bons sons de carnaval comme ça? Des bons, hein, attention. Je sais pas, il n'y a pas de recette, c'est... Je suis quelqu'un, j'adore l'ambiance, j'adore tout ce qui est joyeux, parce que je pense qu'il y a assez de... Il y a déjà assez de problèmes dans la vie comme ça. On peut dénoncer certains problèmes, mais il y a déjà des collègues qui le font à leur sauce, quoi. Donc moi, je mets à la mienne. Et après, je prends tous les ingrédients, tout ce qui passe par ma tête, je sais pas moi. Donc dès qu'on met le côté joyeux, je pense que ça peut le faire. Mais il n'y a pas de. Je sais pas si c'est un bon son ou pas, je reste juste moi-même. Après, c'est le public. Une bonne qui décide, instru, en fait. Des bonnes paroles et c'est bon. Ah, des bonnes paroles, d'accord. Tu sais pas. Mais après, c'est le public qui choisit. Mmh. Ouais, évidemment. Je trouve que tu as un style bien à toi et franchement, ne change pas. Merci. Je sais pas c'est quoi l'ingrédient secret, mais ne change pas. Ben, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait zizir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Grâce à Énergie, tu as gagné un séjour à Paris. C'est sur le coup d'Énergie. Offert par Paris-là. Voilà, merci. Attends, t'as vu comment il buzz le son carnaval? À mon avis, il a des thunes. Ridla, ne bouge pas. Merci, Kevin. Bougez pas, tout le monde. On revient avec Ridla, qui est notre invité ce matin dans le 6-10 Énergie. Le 6-10. L'émission qui réveille les Antilles. Ce matin, on le retrouve juste après la chanson. Et tous les c'est jeudi aujourd'hui, ça 8 février, 9h04, tout va bien, Ridla est notre invité. Il avait ça à dire. Hey, frère, on dit bon matin là, bon, excuse-moi, je vais parler français parce qu'on a des touristes ici, tu vois. Donc, I told me that this morning, I going to manger on the count of energy. Ben oui. For the aller et the comeback. For the aller, hey, tu veux. Non, moi je vais pas au tribunal pour toi, frère. Je vais pas au tribunal pour toi. C'est pas Ridla moi. Avec nous. On est en mode carnaval, vous avez une question à poser à Ridla. Pas ni problème, mais mieux le numéro. 0825-825-696. Et bien sûr, mesdames et messieurs, le jingle dédicace. Alors, je souhaiterais envoyer une dédicace à Lilou et Dina Phoenix. Mon cœur bat vite, je vais tout péter. Une petite dédicace à la team Siro, à Blanca, à Zamba, à Kimuna, à Toto, à Lionel, à... Et le reste va venir après. Ridla, de toute façon, tu fais comme tu veux, t'es à la maison ici. Il y a des auditeurs qui veulent te poser des questions. On va les prendre dans quelques instants à l'antenne. On se fera du Energy Speed. Ridla, tiens, on avait une question qui arrivait sur le Facebook. T'écoutes quoi? C'est quoi ton son que t'écoutes en boucle en ce moment dans ta playlist? Mon son que j'écoute en boucle maintenant dans la playlist, je pense que, je sais pas, j'écoute de tout, ça peut, je sais pas, il faut que je regarde le dernier son. Un artiste, le son qui t'a fait le plus kiffer ces derniers mois, je sais pas, t'as pas le... Ben j'écoute tellement de sons en fait que ça va être tendax, hein. T'écoutes un peu de... T'écoutes quoi? Des sons locaux? Ah non, moi j'écoute compas. Du boléro, j'écoute du compas. Mm-hmm. Ah voilà, le dernier son que j'ai écouté que j'ai sur mon iTunes, c'est Super Combo avec Moi dans Midewa. Moi dans Midewa, 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 moi dans Midewa. Dédicace à nous parisiens. Aïe, comme Fred, comment allez-vous, Frigidaire? Bon, ne bouge pas, Ridla. Tiens, il y a Mamie Simone qui est pas contente parce que du coup, on a décalé son jeu. Oh là là. Mamie. Elle est vieille, hein. Oui.
Bon. Bébé. Bonjour. Mamie Simone, vous êtes toujours écrite là, vous allez lui chanter des titres énergie. Oui, mais je chante quand? Maintenant, on fait votre chronique maintenant. Ah maintenant, mais je ne sais pas, on m'avait pas prévenu, on est d'hiver 9h15, alors faudrait briser ma mère. Fais doucement. Ton cœur va lâcher, fais doucement. Mon cœur va très bien, la marijuana, c'est rassurée. Oh, c'est mal, Mamie Simone, c'est pas bien. Non, elle voulait dire la vie en veine. Mmh. Ah voilà, c'est ça. Ah mais vous vous méprenez, je parle d'Alfred Marijuana. Ah, Dieu. Ah voilà, Alfred. C'est Alfred Marijuana. Le président d'honneur. C'est ancien, elle aime bien Alfred. Ouais, elle aime bien les années en ce moment. Elle est kiffée sur lui. Le président d'honneur. Ouais. C'est ça. C'est un petit peu son pendant féminin, de toute façon, Mamie Simone, elle est toujours énervée. Bon, chantons. Alors, Mamie Simone, va te chanter des hits, Ridla, enfin, et chanter. Tu dois trouver qui chante, le nom de la chanson ou l'artiste. Vas-y, mais je gagne quoi, les gars? J'ai entendu des trucs là, frère, et j'ai pas de trucs chez moi, la musique ça paye pas. Tu gagnes une invitation pour revenir. Et puis un croissant et un café. C'est déjà bien. Oh, mais c'est. Oh. Il n'y a pas de budget. Oh. Regarde Morgane, elle va te faire son plus beau sourire. Si jamais. Ah, mais elle le fait depuis tout à l'heure, mais ça remplit pas le ventre, ça. Et je ramènerai un café tout à l'heure. T'inquiète. Alors, Mamie Simone, allez-y, quand vous voulez. Mais c'est cure, bam bam, bam bam, c'est cure, bam bam, bam bam, cure, bam bam. Vous y mettez un peu de motivation, Mamie Simone, ou vous voulez qu'on arrête? Mamie Simone, j'ai mis un gars de TLC avec un rentré. Vous avez fait de l'amour, bien. Ouais. Moi, j'ai le marché à faire, d'autres choses. Il y a un temps de l'énergie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que c'est fait là, prochain? Quand vous payez à Mamie? C'est sûr. Allez, son numéro 2, Mamie Simone. En fait, c'est moi qui suis vraiment nul à ce jeu. Ouais. En vrai. Parce que ce matin, l'auditeur a tout trouvé. Ridla est en train de tout trouver. Donc, s'il y a tout trouvé, en fait, c'est moi, je suis nul. Allez, on en fait un dernier. Je joue avec Mademoiselle Mumu. Ah, vous toutes manier. Dernier pour. Elle est en vacances lundi. Dernier pour la route. Nous, on sera là par contre. Je veux chanter l'amour, les yeux vers les étoiles, ne plus compter les jours, serre-moi dans tes bras par l'amour. Alors, Ridla. Ah, on fait moins les malins, hein. Ah non, non, t'inquiète pas. Victor Hugo, 1956. Écoute-moi, Leslie, si tu m'entends, Leslie, mon contact 06 90 70. Après, je te check sur Instagram, mais sache que tu me plais vraiment. Ah ? Je t'ai rencontré une fois à Évry, au centre commercial. J'avais acheté, oui, voilà, des steaks hachés, tout ça. Et je t'ai vu passer, mais je n'avais pas eu le courage de t'aborder. Oh. Mais fais-moi confiance que ce qui était congelé a décongelé. Ah, je te jure. Hey. C'est bien dit. La dame là, oh, Leslie, tu me manques. Tu me manques. Apparemment, elle a kiffé ton discours. Ne bouge pas, Ridla. Mamie Simone, à demain. Le 6-10. L'émission qui réveille les Antilles. Merci de nous avoir choisi, la famille. Tout va bien. On est en famille ce matin. Ridla est notre invité. Salut, bonjour, ça va? Ça va, et toi? Est-ce qu'il y a du monde sur la place? Oui. Ne parle pas comme ça, les gens vont avoir l'impression d'écouter Trace FM après. On peut les appeler en même temps, il n'y a pas de matinage chez eux là. Bah, non, ils ne travaillent pas, tu sais que. Il va te faire taper. Ça ne travaille pas chez eux. Pourquoi il faut un coup? Ils vont trouver où tu habites, ils vont venir chez toi. Et prendre du fer. Ridla, il y avait plein de questions et on se demandait notamment parce que Mimi nous a présenté le nouveau son dans les News People il y a quelques instants avec la team Siwomas. Ouais. C'est quoi ce projet? Parce que tu peux pas teaser en disant premier single de mon projet et puis tu dis rien après. Quoi, il y a un album, il y a quoi qui arrive? C'est quoi le projet? Bien en fait, si vous avez le temps, je peux. On a le temps. On est là jusqu'à midi. Non, par contre, faut me lire. Hein. Après, c'est payant. Hein. Donc, en fait, ça, j'ai sorti mon premier album en 2002. Oui. Et j'ai plus jamais sorti d'album, en fait. Et je n'ai jamais fait de concert, Ridla, vraiment. C'est vrai.
Et on me dit tout le temps, alors que je sors beaucoup de singles, je suis en autoproduction. Beaucoup de prestats aussi. Ouais, beaucoup de prestats, Dieu merci, parce que c'est un métier qui est assez difficile. Et on me dit tout le temps, ouais, il faut un projet et tout, mais moi je suis pas prêt parce que je sais que, bon, je vais pas dire ça là parce que ça va nuire au projet des collègues. Mais c'est une vérité quand même. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre mes singles de l'année dernière, je vais pas remonter trop loin, et je vais mettre 7 inédits et pouvoir commencer à faire des lives dans des petits bars ou bien partout, ou bien le Zénith, hein, ceux qui veulent bien m'accueillir, et ceux qui veulent bien venir. Là où il y a de la place. Là où il y a de la place, voilà, c'est-à-dire que se lancer quand même après près de 16 ans. Me lancer parce que Johnny il est mort, frère. Je vais pas mourir sans avoir fait une scène. C'est une bonne raison pour monter sur scène ce projet. Et ça sortirait quand alors l'album? T'as une idée? J'aime pas appeler ça album, tu vois. Je sais pas. Un EP, tu préfères, album. Je sais pas. Parce que quand tu dis album, les gens s'attendent à beaucoup de choses. Moi, je fais de mon mieux pour faire mes trucs. Mm-hmm. Mes bails, comme ils disent là-bas, wesh, t'as eu? Ouais, je fais des bails et tout. Et justement, je vais mettre quelques singles déjà sortis, plus que quelques inédits. C'est une mixtape en fait. Non, c'est un petit projet. Un petit bout de toi. Ouais. C'est un projet. C'est un projet qui va s'appeler Le Ride, tout simplement. Et voilà quoi. Et la date de sortie, t'as une idée, le mois? Ce sera plutôt mars. Bah parfait, comme ça tu pourras venir nous le représenter en studio. Ah si ouais, tranquille, ouais. Moi samedi, ouais, je kiffe bien. Bah ouais, c'est la famille. Je kiffe bien cette idée, moi, dis donc. Bah, ouais, tranquille, ouais, gros. Ouais, on est là. T'as vu, au KLM. Au KLM. Avec les potos, t'as eu. Ouais, ah, t'as eu. Les gars, je crois qu'il y a Alfred Marie-Jeanne qui déteint sur vous là. Vous êtes en mode Kaira, ça va plus du tout. Non, les gars. Et justement, faisons un débat sur. Oupa. Sur. Et c'est là. Hey, le monsieur s'appelle Monsieur Marie-Jeanne. Pourquoi son prénom? Parce que c'est joli. Parce que la dame à chaque fois elle dit des bêtises sur son nom de famille. Fredo, maman feu. Ne bouge pas, Ridla. Dans quelques instants, il y a du monde qui veut jouer avec toi. On va se faire un Energy Speed. C'est bien ça. Joli. Ouais. Tiens, vas-y, je te laisse nous annoncer. Les gars, arrête la musique, frère. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que? Il a ramené les sandwichs. Il a ramené les sandwichs. Et maintenant, comme tout Ridla qui sait, et tout monde de la Team Siro qui se respecte, nous allons manger sans bois. Il n'y a pas de boisson, il n'y a rien. Ah bon, c'est tout fait. Allez chercher des boissons à Ridla. Mesdames et messieurs, il est là le panier avec la bouffe. Bon appétit. Non, les gars, énergie, meilleure radio. Il y a non, meilleure radio de tous les temps. Le 6-10, l'émission qui réveille les Antilles. Donc je tenais à... C'est l'instant dédicace. Envoie une dédicace à tous les carnavaliers, Martinique, Guadeloupe, Guyane, parce que le Touloulou, j'adore également. Je connais les sons par cœur. Big up à la Martinique, parce que chaque carnaval a bien sûr sa spécificité. La Martinique, c'est bien sûr vraiment le côté défoulement total. Vraiment lâcher prise. La Guadeloupe est dans les costumes, dans tout. Donc franchement, big up à tous les carnavaliers. Et ben voilà, dédicace passée, n'hésite pas, dès que t'as une dédicace, Ridla, tu t'interviens. Hey, c'est l'instant carnaval, frère. C'est l'instant dédicace. C'est bordel, on fait ce qu'on veut. Attends, laisse-moi te dire quelque chose là. Oui. Il y a celle-là qui m'a dit qu'il connaît pas le son bouillie. Le son quoi? Le son bouillie, mon single bouillie. Il connaît pas ça? Mais tu il écoute pas énergie. Attends, il écoute pas énergie? Mais je sais pas, mais j'y sais devant moi là, il m'a dit ouais, il connaît pas le single bouillie, il m'a amené un sandwich, il pense qu'il m'a acheté un sandwich, frère. Ah, fais l'écouter, c'est quand même le programmateur musical de la radio. Mais je comprends pas. Attends, Mike, est-ce qu'on passe quasiment tous les matins? Excusez-moi, c'est le bordel. Vous savez qu'on a des chiffres tous les quarts d'heure. Non, mais c'est pas le même son. Il me parle d'un autre son qui s'appelle Bruit. Ça n'a rien à voir avec le son qu'on passe. Ils sont déjà au courant. Je m'en sors plus, je suis perdu. Là. Je suis plus chez moi. Le gars. J'ai l'air là. Je sais pas.
On a compris. Bon, Ridla, il y a du monde pour jouer avec toi. Dans quelques instants, tu vas nous faire un live. Tu nous fais quel titre en live, Ridla? Oui. qu'est-ce que je peux faire en live? Une hirondelle a fait ce soir trois tours sur ma maison. Et un tour d'elle a fait. Bon, après, je sais pas moi. Allumer le feu. Yep. Allumer. Je sais pas. Au choix. Hein. On va gérer. Allez voir le live Facebook. Il est dans tous ses états. Facebook, ça fait une casse-quête. On va jouer avec qui? Coco, c'est qui? Ah, c'est Dimitri qui est là. Salut Dim. Salut. Ça va mon Dim? Ça va et toi? Bon, attends, ouais, écoute-moi ce bruit. Le gars, il vous rase quand même, hein? Ce bruit. Ah. Non, ça fait plaisir. Le bruit du papier de sandwich, frère. Vous pouvez foncer ça, hein? On va jouer. Ridla, arrête! Ridla! Un sandwich! Ridla, tu viens ici, tu fous le bordel! Tu vas être là jusqu'à midi? Ouais! Parce qu'il faut faire le jeu et après il faut chanter. Ah ouais, c'est vrai. J'ai le patron qui me dévisage à travers la fenêtre. Ah d'accord. Alors, on va jouer ensemble. Tu vas jouer face à Ridla. C'est qui le patron? C'est José. Appelez-moi le patron! José Anelka. Alors, bosse Anelka, il va bien lui? Il va bien, tous, merci, il est là. Ah ben c'est bon. Kevin, tu sais quoi frérot, on a plus le temps. Dimitri, allô. Je t'envoie ce qui peut te faire plaisir, Dimitri. Ok, on a plus le temps. Allô. C'est cadeau. Allez, bonne journée, Dimitri. T'as dit bonjour, t'es un cadeau. Comme ça. Ok. Bienvenue, c'est Énergie. Que Ridla est en mode délire, donc priorité. Ouais. Non, mais les gars, fallait pas m'éviter. Mais non, mais Ridla, on est en mode carnaval. T'es là pour ça, de toute façon. Fous-moi le bordel. Le 6-10. L'émission qui réveille les Antilles. Quelques instants, on va démarrer dite à la suite sur Énergie. On va retrouver Will et JC aussi à partir de 10h. En mode Madagwada. Et Ridla est avec nous. Salut. Ce matin, Ridla, tu disais que tu avais un défi pour le 6-10. Trouver un boléro, jouer un boléro. Aïe. Ou bien son gros cas. Je m'ai mis sur ce défi. Ok. Ça bug? Non, ça bug pas. Je cherche. J'essaie de retourner chez Pigalle. Une begin. Begin, c'est facile. Vas-y, trouve-moi une begin. Là, comme ça, là, mon cerveau, là, comme ça. Alors, attends, je sais. Papy, rentre-moi. Papy, mamie. Attends, excuse-moi, parce qu'elle vient de dire papy rentre en moi. Oui, il faut qu'il rentre en moi pour que je puisse avoir ses... Bonjour. Bon, vous buguez, c'est perdu. Bon, alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, mon Ridla, on va te remercier d'être venu. On rappelle c'est que tout. L'album... est disponible, bah ouais, il est déjà 9h30, on est déjà super à la bourre, Ridla. Ah bon? Frérot, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un truc, nous parler de tes projets, la page Facebook, je sais pas. Est-ce que tu as bien mangé? Donc la page Facebook, la page Instagram, bon vidéo à tous. Vous cliquez Ridla, voilà, allez, likez la page. Hey, j'ai pas fini mes dédicaces, les gars. Je t'en prie, frérot. Oh, alors, dédicace à la team Siro. Alors, il y a Blanca, il y a Babette, il y a Berthier, il y a Dunkers, il y a Mimi, il y a Jean-Yves, il y a Martial, il y a Pepe, il y a Sandro, il y a Jean-Marc, il y a qui encore, il y a Nadège, il y a les Chris, il y a Livio, la Apo, il y a Cynthia, la Wanted, Nemo, Dest, bon, nous a plein. Christo, allez, bonne journée. Je pourrais venir aussi. Du monde, hein? Ah oui, nous a plein. C'est-à-dire trop rempli, je peux pas venir. Tu peux venir, t'inquiète pas, il y a une petite place. Si je ramène à manger, c'est bon. Le mot magique, chacun se lit tes balles, chaque balle une boisson. Tu le prends par les sentiments, Mimi. Ah, c'est que... Ridla, merci infiniment d'être venu ce matin, c'est la famille, tu reviens quand tu veux. On t'attend merci en mars aussi pour nous représenter le projet. Merci à Morgane, merci à JC, merci à vous. Ouais, merci Morgan et JC qui étaient là à l'ARIA ce matin, qui se sont levés plutôt pour nous. Le live Facebook, le replay, c'est dans quelques minutes sur le Facebook Énergie Antilles. Ciao mon Ridla. Ciao, bye bye.